Les amis, bienvenue devant notre tour Eiffel iséroise, devrais-je dire la tour Perret. La tour Perret est une tour d'observation située en Isère dans le parc Paul Mistral à Grenoble. Il s'agit du symbole de la ville avec la Bastille. C'est la première tour en béton armé construite en Europe. Elle est classée monument historique depuis 1998. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette tour est fermée au public depuis 1960 parce qu'elle est dans un très sale état. Mais comme vous pouvez le voir derrière moi, la mairie a pris les devants et sa réouverture est prévue pour 2022 normalement, si tout se passe bien. Cette tour de béton a été construite par l'architecte Auguste Perret en 1924 à l'occasion de l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme prévue pour 1925. A l'époque, les deux plus grandes sources de revenus de la région étaient l'énergie hydraulique fournie par les barrages communément appelés houille blanche et le tourisme. Alors cette construction, elle fait 95 mètres de haut. Elle se situe dans le parc le plus visité de Grenoble et elle n'est même pas accessible au public. Vivement 2022. Après, monter tout ça à pied, faut pas être une feignasse quand même. Mais bon, voilà. Le diamètre de la tour est de 8 mètres à la base. Le dernier étage est accessible par des escaliers hélicoïdaux ou par un ascenseur, ce qui devrait ravir Matisse, car c'est vraiment une grosse feignasse. Merci les amis d'avoir suivi ce deuxième épisode de Tu connais, cette nouvelle série sur la chaîne, comme je l'ai dit dans le premier épisode. On se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas encore, pour un futur épisode dans un endroit encore plus fou, je l'espère. Ciao, ciao.